Kevin, hein ? La première fois qu'un invité se fait déshabiller à la radio. Astralement parlant, bien sûr, c'est l'horoscope people d'Annie Castro. C'est un beau jingle. T'as vu mon jingle? Ah oui, ma... voir, hein. C'est un super on jingle pour. On va te déshabiller astralement et de toutes parts. Ah oui, quand non, parce il a entendu que... astralement, voilà. Il était déçu. Quoi. Alors, déshabillez-moi. J'ai vu dans son regard. Déshabillez-moi. Voilà, mais je l'ai déjà fait, ça y est, je sais tout de toi. Tu sais, quand tu te retrouves face à moi, t'es à poil. Hein. T'as pas l'impression, mais t'es à poil. Si tu veux arrêter la chronique tout de suite, tu peux le faire. Annick est une très belle femme. Je pense qu'il y a pire. Faut le dire à la radio quand même. Voilà, tu peux tomber sur pire. Vincent est tombé amoureux déjà. Bah nous on est années. Ensemble depuis quelques années déjà, alors si tu peux éviter de pécho ma meuf, couple. Mais je pense que... Non mais là je suis avec Kevin, aujourd'hui je suis avec Kevin. Je me rapproche de Kevin, alors voilà, moi j'ai visité ta lune, ton Uranus. Ah bah bravo, je te félicite pas. Hein. Je me suis régalée. Ça a l'air de lui faire plaisir. Tu vois comment... Comment couper la parole à Kevin, regarde. Là, on l'entend plus. Ça y est, d'un seul coup, il nous a fait un malaise. Il est parti en live. Non, pour être honnête, je pense à ma collègue de travail, Lucie Lucas, qui va écouter l'interview, qui vient entendre ce que vous venez de dire, et j'imagine son fou rire, en fait. Mais vas-y, Annick, je t'écoute. Je me tais. Donc, tu es Gémeaux, ascendant Bélier. Donc, c'est deux signes agités. C'est deux signes de communication. C'est un signe, le Gémeaux, c'est très, très curieux. C'est très bavard. C'est éparpillé aussi. C'est un peu le côté... Alors, le côté curieux, c'est vraiment la force du signe. Et le côté éparpillé, c'est un peu la faiblesse. Il faut cibler. Hein, mon chéri, il faut cibler. Et alors, je vais te dire le meilleur tout de suite, parce que décembre, c'est un très bon mois pour toi. Ah. Tu as un très beau Jupiter en décembre. Jupiter, c'est possibilité de nouveaux contrats, possibilité de nouvelles rentrées d'argent. Ah. Voilà. D'accord. Donc, décembre, tu bouges. Tu te bouges les fesses en décembre, encore d'accord. plus que d'habitude. Et ensuite, la très grosse période où là, ce sera beaucoup de sous et... Un plus grand choix de contrat, c'est mai, juin, juillet et la rentrée. D'accord. Ça te parle ? Eh bien, écoute, c'est le mercato de la télévision à ce moment-là, donc on verra bien. Eh bien, tu seras là, tu vas pousser les autres. Hein. Ça, on est d'accord. Faut les pousser, mais avec toi, Gémeaux, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et j'ai aussi visité ta maison 8. Alors la maison 8. Ah, ça va trop loin, je me casse. C'est quoi la maison 8 ? Entre autres choses, c'est la maison de la sexualité. Ah, alors dis-moi tout. Tout savoir. Ouh, alors. En plus, je crois que mardi, donc ça va être diffusé sur Gulli et tout, donc on veut absolument tout. Mais savoir. Je vais tout vous dire. Tu vas voir, tu vas avoir des propositions à partir de la semaine prochaine. Ça ne va pas s'arrêter parce que tu as une maison 8 en Scorpion qui est le signe le plus explorateur sexuellement qui soit. Donc c'est quelque chose de très curieux, c'est très sensuel, c'est pas que sexuel le Scorpion, c'est d'abord très sensuel, très caresse, très curieux là aussi, mais tout en douceur. Bah, non, ça part pas en live. Dites-moi, Annick, vous êtes ça part pas du tout en live quand même. Hein. C'est vous sensuel. Êtes grave lâché en fait pour cette dernière, c'est ça. Je me suis lâché sur Kevin. Mais t'as pas tort parce que je suis plus sensuel qu'autre chose. Voilà. Tu n'es pas tout en finesse. Mais dis-le, Annick. Tu n'es pas bourrin. Tu n'es pas un bourrin. Tu n'es pas un queutard. Tu n'es pas que ça. Pas du tout. Absolument pas. C'est tout en finesse, délicatesse et exploration. Jusqu'au bout de la nuit. Oh, c'est tout un programme, dis donc. Ça nous laisse rêveuses, hein, je vous dis pas, les filles. En plus, vous avez pas l'image, mais moi, je l'ai en face. Moi, il est beau comme un dieu, notre petit Kevin. Bon, un petit peu jeune, peut-être pour moi, mais bon. Et puis, en plus, il y a Vincent, quand même, qui est juste à côté de toi. Il y a Vincent. Et alors bon, Vincent, ça y est, c'est fait. Ah bon. Mais vous avez pas l'image non plus, mais Annick est extrêmement charmante. Oh, il est mignon, il est adorable. C'est beau. Franchement... Oh, Annick, tu vas pécho. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà, j'ai dit décembre au taquet, Kevin, au taquet. Et ensuite mai, juin, juillet, il y a de l'argent et des contrats à récupérer. Ils sont déjà pré-remplis au nom de Kevin et Larbi. Merci à mon agent d'écouter cette émission. Puisque mai, juin, juillet, c'est le mercato de la télévision, c'est là où tout change, les contrats, voilà. Machin et mais tout. Je pense que déjà en décembre, tu auras des choses qui vont se concrétiser. D'accord. Sur la période du printemps. Tu Très vois, bien. On va en parler déjà là.
T'auras les prémices. Eh bien, écoute, je te ferai savoir tout ça. Mais de toute façon, tu n'auras pas le choix parce que je vais venir t'emmerder. Ça, elle a déjà ton adresse. Mais sache que tu peux m'emmerder avec plaisir. Et ah, tout autant que tu le veux. Oh, alors là. Bah écoutez, on va vous laisser. Les deux. Je suis déjà. Bah alors, on va écoute. Aller. Nous, on va mettre de la musique et puis on vous laisse. Hein. On continuera en tête à tête un petit peu plus tard parce qu'évidemment, je ne peux pas faire toute l'émission sur toi. Avec plaisir. C'est bien dommage. Oui, sur toi. C'est le terme adéquat. Merci à vous. Mais voilà, à tout à l'heure pour la radio. Astralement parlant, bien sûr. C'est l'horoscope people d'Annie Castro. Merci Annie, on se retrouve.